Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro-Congo News Sport. Par le comité de normalisation de la
la Foot League 1 saison 2022-2023, classement régulier des clubs de la Lina Foot. Le comité de normalisation de la Fédération Polonaise de Football Association a vu le statut de la Fédération Internationale de Football Association, spécialement à leur article 8, paragraphe 2, vu la décision du bureau du conseil de la Fédération Internationale de Football Association du 24 avril 2023, portant mise en place d'un comité de normalisation de la Fédération Polonaise de Football Association, vu l'être référencé du 27 avril 2023 de la Fédération Internationale de Football Association, portant la composition du comité de normalisation de la FECOFA, vu le règlement d'application des statuts de la FIFA, spécialement son article 10.1, considérant l'impossibilité pour la Ligue nationale de football et la FIFA de terminer le championnat de la saison 2022-2023, la Ligue nationale de football, la suite notamment de l'arrêt de la prise en charge par le gouvernement des frais de transport aérien des clubs, considérant les difficultés pour certains clubs de prendre en charge les frais de transport aérien des membres de leurs équipes, considérant le procès verbal de la réunion du 23 mai 2023 entre l'Aliana Foot et l'amicale des dirigeants du club de football du Congo Aderco, portant proposition d'arrêt définitif du championnat de cette saison à cause du manque de moyens financiers pouvant aider au déplacement des clubs et des officiels d'une part et d'autre part, parce qu'il ne reste plus assez de temps pour organiser les matchs restants de la manche aller au 30 mai 2023, considérant la nécessité de procéder au classement des clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 1 en tenant compte du fait que la saison 2021-2022 n'était pas non plus arrivée à terme, mais que ces résultats avaient été validés du fait que tous les clubs avaient joué le même nombre de matchs, considérant la nécessité de tenir compte des résultats sportifs des clubs pour une période récente et représentative, à savoir les trois dernières autres saisons complètement jouées et validées à des sites article premier. La saison 2022-2023 de l'Alena Foot Ligue 1 a déclaré blanche. Article 2, le classement à prendre en compte pour l'Alena Foot Ligue 1 pour la saison 2022-2023 et le résultat de points cumulés de 4 saisons validées, à savoir les saisons 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, suivant le tableau ci-après. Voici donc le classement. Le tout puissant ACB en première position avec 256 points, la suite d'Alger deuxième à 244, Manem à 1-3ème avec 210 points, le DCMP 4ème avec 180 points. Voilà donc les 4 équipes africaines pour la saison à venir, les 4 équipes africaines. Donc, en 5ème position, le CS Saint-Éloi de Coucou, 161 points. La Jeunesse Sportive Coucou, Bazano, 134 points. Sa Majesté Sangabaline, 7ème, à 130. Rangers, 8ème, à 128. Tombouzko, 9ème, à 126. Renaissance du Congo, 10ème, avec 110 points. Dauphin Noir, 11ème. Avec 101 points, le FC Simba est 13e avec 67 points, le Racing Club de Kinshasa suit avec 59 points, les 5 15e avec 59 points, la Jeunesse Sportive de Kinshasa 6e avec 40 points, les Honda de Ligassi 17e avec 24 points, l'Étoile du Kivu 18e 22 points, la Sibuya 18e avec. La Sécoué 19e avec 19 points et puis l'US Congo 20e avec 15 points. Voilà donc ce classement. La présente décision entre en vigueur la date de la signature. Ça date du 3 juin 2023, c'est-à-dire le samedi dernier. Et on signe à tout donner 100 000, c'est le tout président du comité de normalisation du CAP et au moins l'appel à la vice-présidente. C'est bien Machini Mambo, Honoré Luango Mambo et puis l'ancien qui compte le secrétaire général du comité de normalisation de la Fédération Congolaise de Football Association. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir en rapport avec cette décision de la Fédération Congolaise de Football Association. Alors, on va marquer une courte virgule avant d'entrer dans la partie interactive de cette émission Sportivement Vôtre. Il va y avoir question pour vous d'interagir en français, en lingala, et également en visuel, si vous voulez bien, vous allez vous exprimer sur ce sujet. Il y en a deux essentiellement. Vous allez nous dire ce que vous pensez
de cette décision de la, du comité de normalisation de la Fédération Française de Football Association de retenir les quatre équipes pour représenter la réunion du Congo Interclub de la CAF. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est un méritoire hein, a décidé de faire le comité de normalisation de la Fédération Française de Football Association? Vous allez intervenir pour nous dire ce que vous pensez de la liste hein, des joueurs retenus, à part Sébastien Desabre. On se retrouve donc tout juste après cette courte vidéo. La radio du sport, donc, Tel Congo FM, nous sommes de retour ici. La partie interactive, désormais, cette partie qui vous appartient, c'est la libre antenne. Donc, on a fini la partie informative. On entre dans cette partie qui vous appartient. C'est vous, en effet, qui l'a faite. Manu Maïno, le dernier qui a monté un peu en Coupe de la Confédération de la CAF. Que pensez-vous de cette liste des équipes retenues? Pensez-vous que ça, c'est plutôt juste dans cette décision de la Fédération Française de Football Association qui a décidé de ne pas prendre en compte le classement de cette saison qui venait de se couler, mais le classement de la saison dernière, donc les résultats des diverses équipes sur les quatre dernières saisons en rapport avec la Ligue nationale de football. Vous allez donc nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez, et ça va être 0-81-17-83-145, la deuxième thématique pour aujourd'hui. La liste des joueurs retenus par Sébastien Desabre pour affronter le Gabon, c'est dur, vous allez découvrir le nom ici. Quel commentaire et puis quelle chance donner à la RDC pour aller battre le Gabon à domicile le 18 juin prochain? Ça va être à Franceville. La RDC qui n'a pas battu le Gabon sur les trois dernières rencontres. La RDC n'a plus battu le Gabon depuis 2015. En fait, quelle chance donnez-vous à la RDC pour revenir à bout de Panthère du Gabon? Vous nous appelez donc pour nous dire ce que vous en pensez. Et vous nous appelez en français, en lingala, ou même en kiswahili. Donc vous savez, nous sommes à 081-17-83-145 pour la Bolika en direct à l'émission Oyo Sportivement Votre sur Digital Congo FM pour nous dire ce que vous pensez. Un écran de 081-17-83-145, le 081-17-83-145 pour passer en direct dans cette émission Sportivement Votre sur Digital Congo FM. Vous avez un ami sur la police de l'Isso, Marc-Anne Sabino, et ça, Nini Pona, la décision, et à ce pouvoir, il y a pour les tenir, Gaba, l'équipe, Wana, l'équipe 4, Wana, pour la police de l'Isso, ici, à l'Interclub, il y a CAF, c'est-à-dire Maxime Benano, et puis Vainqueur, pour la Ligue des Champions, ensuite Mani Maïno, on a DCMP, pour la Coupe de la Confédération. Quel commentaire avez-vous adressé par rapport à cela? Le 081-17-83-145, le 081-17-83-145, pour passer en direct dans cette émission à Sportivement Votre sur Digital Congo FM. C'est encore des joueurs retenus par Sébastien Desabre pour représenter la RDC face au Gabon. Pas mal d'absents, quand même, les grands noms sont là. Commentez avec nous cette liste des léopards de la République démocratique du Congo, nous disons ce que vous en pensez, oui, surtout les chances que vous donnez à la République démocratique du Congo. Ça va être le premier match depuis que la RDC a France un peu le cas pour le Monaco, pour le ministre des Sports, et puis également que le comité de normalisation a été installé. Et ça va également être un match déterminant pour les léopards de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui est en 4e position de son groupe, c'est-à-dire la dernière position derrière le Gabon qui a 7 points, le Soudan qui en a 6, la Mauritanie qui en compte 5 pour le moment, c'est-à-dire seulement un point de quart entre chaque équipe classée en ordre décroissant. Voilà, le 081-17-83-145 pour passer en direct dans cette émission Sportivement Votre sur Digital Congo FM. Bienvenue, merci, venez de vous entendre en parler. Vous êtes sur la chaîne
dans la radio des sports en effet digital qu'on pouvait faire. Ici, la partie interactive de l'émission sportive en vol, la partie interactive, c'est une partie qui nous appartient. À vous nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de ce classement de la d'organisation de la Fédération Française de Football Association. Pour décider les équipes qui vont représenter la RDC aux interclubs de la CAF, MSMP vécu en Ligue des Champions, Manipulation et MSMP en Coupe de la Confédération. Trouvez-vous cela juste quel commentaire de ces par rapport à celui de la liste de Sébastien de Sabre face au Gabon, quelle chance, quel commentaire sur cette liste-là, quel conseil au Léopard pour aller chercher cette victoire. Vous nous appelez au 081-1783-145, le 081-1783-145 pour passer en direct. Merci M. Soumédé, vous viendra nous en pareil moment. Merci de vous joindre à nous, bien évidemment. Le 081-1783-145, le 081-1783-145 pour passer en direct et nous dire ce que vous pensez de cette décision donc de normalisation de la Fédération pour les associations de retenir ces quatre équipes en soutenir compte du classement de la saison qui était pourtant en cours. L'école qui s'en résumait en première position, elle est établie en deuxième. On retrouve également l'Espagne Bayon en troisième position pour la Coupe de la Confédération et le dernier qui lui montait ma pénalité. C'est un duel au propos, donc malgré la deuxième position occupée cette saison, va se retrouver hors de la course. C'est un duel qui était deuxième cette saison et troisième la saison dernière. On ne va donc pas jouer les interclubs de la CAF s'il faut rester, ou alors s'il faut rester c'est qu'il est bon pour le moment. On apprend quand même qu'il y a une rencontre qui est prévue, notamment déjà entre le ministre congolais du sport, ou alors entre le ministère du sport et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, parce que dans une communication, on apprend que ce classement, alors que le ministère n'a jamais été consulté pour publier ce classement qui a été rendu public par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association. Alors, autant de choses que nous avons pensées, au fait, partagez avec moi, nous appelons 081-1783-145 pour passer en direct dans cette émission sportive en vôtre sur Digital Congolais FM, nous appeler et nous dire ce que vous pensez évidemment autour de tout cela. La République démocratique du Congo et les clubs qui vont la représenter aussi. Ce match crucial du 18 juin prochain, la RDC peut-être plus là pour du Gabon. Vous avez suivi la liste déjà convoquée par le Cédric Bagambo, malgré sa forme époustouflante en Grèce, parce que suspendu par la Confédération africaine de football avec le point coupé d'un carton rouge lors du match, le jour face à la Mauritanie. Ce match sonné sous la nuit de 1 but partout. Vous nous appelez alors au 081-1783-145, vous soumettez la personne à 081-1783-145, donc tout sur le bilan. Gisement, Olo, Fébouffa, Loutibou, Boulagissa, Olo, Boni, Baïti, Olo, représenté RDC dans ma compétition interclub, ma compétition africaine, donc on le trouve, Olo, tout ça, Mazembe, privé club. La Ligue des Champions, tout ça, puis la Moutier, la Dembe, puis la Manima Union pour la Coupe de la Confédération, pour Islamie Benzadi, le classement la saison Oyo, ils ont pris en compte que Moutier, la Dembe, la Ligue, puis la chance est RDC, après la Coupe Longue à Gabon, après le match, ils ont prévu le 18 juin prochain, liste pour ceux qui déjà. Makanis Nabino, ils alignent à leur retour de cela. Vous avez la 081-1783-145, le 081-1783-145 pour passer en direct dans cette émission sportive en vôtre sur Digital Congo FM. Pour passer en direct dans cette émission sportive en vôtre sur Digital Congo FM et nous dire ce que vous pensez à ce sujet pour aujourd'hui.
la liste des équipes retenues par le comité de normalisation pour représenter la RDC au sein d'un club de la CAF, le tout puissant ACMB et la SV d'un club en Ligue des Champions. Outre ceci, les Mania Maino et le FC Saint-Étienne pour la Coupe de la Confédération. Trouvez-vous cela juste de la part du comité de normalisation qui prend des refus d'adresser autour de cette liste rendue publique par le comité de normalisation de la Fédération Française de Football Association. Vous appelez au 081-783-345-33 si vous envoyez un email. Vous appelez également pour nous dire ce que vous pensez de la liste rendue publique par Sébastien de Sèvres pour affronter le Gabon si ça vous intéresse toujours. Peut-être que vous pensez que la RDC est déjà éliminée ou qu'on n'a plus de chance appelez-nous, exprimez-vous au 081-1783-545 pour passer en direct dans cette émission sportivement votre sur Digital Congo FM. Nous appelez à vous exprimer de la CAF avec le tout-puissant SMB et les vidéos du grand Ligue de Champions. On retrouve les Manima Union et le dernier club montant SMB pour la Coupe de la Confédération avec la CAF. On le sait depuis le samedi dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Trouvez-vous la démarche du comité de normalisation plutôt juste? Vous nous appelez le 081-1783-545, le 081-1783-545 pour passer en direct dans cette émission sportivement votre sur Digital Congolais prévu le 18 juin prochain, prochain match contre pour la 5e journée éliminatoire à Cannes Côte d'Ivoire 2024. Plus qu'un championnat de salami, à cause de la catastrophe naturelle,
nationale qui a écouté par la montée des bâtiments. Ramener Bakou et Kobul, ça se voit par chef Boulisali, à chaque là. Mais la ministre, elle roule dans les championnats nationaux, les Catalans, 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 les Depuis l'État a été incapable de vraiment financer pour la continuité. Alors, dans le comité d'organisation du Congo et Salama, le ministre a préoccupé sa dévolution. Sud avec Lubumbashi. Si
Là, nous avons 16 équipes du bas de Sud-Ukraine à l'Inafoto à partir de septembre. Et avoir le dès premier en Ligue africaine des clubs champions 2024-2025. Le troisième et le vainqueur de la Coupe Congo en Coupe de la Confédération 2024-2025. Au moment le 20 et 18, il faut le voir. Les quatre équipes-là donc sont valables pour aller en compétition interclub l'année prochaine. Le Congo doit avoir son mal en patience, ne peut se rattraper avec la Ligue de foot. La Ligue de foot 2023-2024 pour espérer repartir en 2024-2025. L'Union sportive d'Algérie qui vient de gagner la Coupe pour la première fois en Coupe de la Confédération. Avec une interdit contre Majembe en 2015. Oui, c'est 8 ans après qu'il vient de gagner. Il avait perdu dès qu'il allait à Algérie, il était 0 à Lubumbashi. Mais c'est la première fois qu'il remporte la Coupe de la Confédération. Et le Congo n'a pas encore gagné, il doit vraiment se préparer. Comme on dit, qui veut aller loin, prépare sa monture. Alors, quant à l'équipe de la sélection de Fabre, on le principe clair, on l'a déjà dit à l'émission. Ceux qui vivent, et ce sont ceux qui luttent à 18 heures du coup. On prend ceux qui sont là. On ne peut pas continuer à s'écrire que quand on n'est pas là, Jackson Mouyaka n'est pas là. Non! On prend le ceinture qui a joué pour la Mauritanie. Admon Diop qui est le Roumaché. Et on colmate les brèches avec ceux qui ne sont pas là. Voilà ce que je peux dire pour aujourd'hui. D'accord, merci à beaucoup Jean-Marie Manzikou. Dans le cours au Congo central, alors vous avez su vous penser qu'il n'y a pas, il n'y a aucun mal à avoir le classement qui a été émis par le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football la saison, et puis vous prenez toujours le format de top 5 plus 11 meilleures équipes de ligue provinciale, c'est-à-dire les 4 équipes qui sont là, on rajoute c'est un peu pour en plus de cela, on prend chaque équipe championne de la Ligue provinciale. Et puis voilà, pour trouver un meilleur format de la première édition du championnat national de la foot. Et puis pour le boss de Sébastien de Sabre, vous pensez que voilà, tout est bien en tant que. Et que ça dépend de la performance sur la plus des léopards. Le 18 juin, un prochain, merci beaucoup à vous, Jean-Marie Manzikou, et bonne journée dans le Congo central, dans le 0-14. Oui, bonjour, papa, Jean-Marie. Oui, bonjour, Simon. Oui, c'est bien du pas pour m'expliquer. La petite faute est là-bas, la petite ambiance. Bonjour, Alice, la petite ambiance. Et le match contre les clients sur la sport, voilà, et dans tout le monde, sans exception. Dans ce milieu, dans le Banalinga, d'abord, on a oublié l'audition et la bataillon sur le match de la Nerdogie. D'abord, avant la moitié du Codon, une moitié idéale, puis la semaine idéale, à Camboy, et c'est mon acte. Je pense que tout le monde a l'air de m'attendre à mon point et à ma fille. J'ai fait des vidéos.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.